Et messieurs, dames, bonsoir et bonjour à toutes et à tous, ici Draken sur Evasion Studio. On se retrouve ce soir pour notre petit stream sur Bioshock Infinite, mais les DLC cette fois-ci. Et on va commencer par le premier DLC qui est Tombeau sous-marin, épisode 1, ou Burial at Sea, épisode 1. Du coup, on avait terminé dans le dernier stream. Hop, vous affichez le jeu. On avait terminé l'histoire principale, entre guillemets. Enfin oui, on avait terminé le mode de jeu principal avec toutes les on va dire différentes explications de Elisabeth qui est en fait la fille de Booker DeWitt, qui en fait s'appelle Anna, qu'elle a récupéré, elle a ses pouvoirs parce qu'ils ont passé. En fait, Booker a vendu sa fille pour des dettes de jeu. Il l'a vendue à Zachary Comstock, car celui-ci, qui n'est autre que Booker DeWitt d'un autre univers, ne peut plus avoir d'enfant à cause justement d'utilisation de la machine qui lui permet de voir dans les différents univers. On était donc resté sur la fin avec Elisabeth qui tue littéralement Booker DeWitt lors de son baptême, puisque Zachary Comstock a été créé lors du baptême de Booker DeWitt, les deux étant la même personne. Et donc du coup, on va commencer Tombeau sous-marin épisode 1. Donc vous avez à peu près, voilà, il y a tout ça comme chapitre à peu près. Ces 5 chapitres, ça va aller vite. Mais du coup, oui, je vais écraser ma sauvegarde. On va jouer en moyen comme en mode principal. Et on est parti. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, j'ai su que toute ma vie allait changer. Donc là, on se trouve dans le bureau de Booker DeWitt, qui est normalement un détective privé. Sauf que là, nous allons et nous sommes dans Rapture. Booker qui fait toujours ses cauchemars. C'est fermé. Vous ne me faites pas l'effet d'être en mesure de refuser des clients. Le solde 31 décembre 1958. Vous voulez quoi? Du feu pour commencer. Donc voici Elisabeth, donc femme Elisabeth en d'abord. Prendre l'argent déjà. Hop, donc ici nous avons donc les. Oui, elle aimait la femme. Nous avons nos décorations de Houdini. Vous avez reconnu, il s'agit d'Elisabeth en skin femme fatale Et vous avez un nom? des années Elisabeth. 50 qui a beaucoup plu aux joueurs. Appelez-moi Elisabeth. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous retrouviez une fille. Vous l'avez peut-être croisée. Cette fille. Donc Sally. Cette fille est morte. Vous en êtes sûr? On envoie des dizaines comme elle sur les quais, dans les taudis, place Apollon. Des orphelines. Sans fontaine, elles ont nulle part où aller. Vous la connaissez? Croyez-moi. Elle est morte. Perdue. Écoutez, je sais pas ce que. Perdue, pas morte. Allez-y, votre prix sera le mien. Mais vous la trouveriez pour rien, je me trompe? Je vous suis pas. Pas encore, mais bientôt. Et voilà. Donc nous sommes toujours Booker DeWitt qui a oui, des courriers. Est-ce qu'Elisabeth sait au sujet de Sally? Donc nous sommes à Rapture, puisque nous avons des places à Apollon. Nous sommes un jour avant. Si je dis pas de bêtises, le début de Bioshock 1, enfin de la révolte de Rapture. Et nous sommes comblés, criblés de dettes, etc. Et on va devoir aider Elisabeth. Donc voilà. C'est toujours magnifique, Rapture. Apparemment, j'avais vu juste. Où est Sally? Je ne sais pas, mais quelqu'un pourrait nous aider. Suivez-moi. Voilà, Fontaine avait été fermée suite aux événements. Bioshock 1.
C'est qui cette fille? On va dire pour une fois on peut voir Rapture qui est. Mais je sais pas. Qui est juste. Quelque chose tout va me bien dit en fait. Le Rapture d'avant Bioshock 1. Oui. Et voilà. Le fameux. Vous, en arrière. On peut voir tout ça. Allez, je te. Hop. Ici les différentes personnes. La ville est bien trop petite. Donc ouais, en fait les petites filles, petites sœurs sont. Si ça te fait plaisir, petites filles disparaissent. Disparaissent et en fait elles vont devenir les petites sœurs. Voilà, les petites sœurs de Fontaine. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'elles sont? Vous vivez recluses en Arcadie ou quoi? Ce sont des petites sœurs, des usines d'Adam. C'est ignoble. Les petites filles, jamais n'oublient. Et voilà mes petites sœurs. Des compromis. C'est pour ça qu'on est venu. Allez, allez. On n'a pas que ça à faire. Les fameux pneumatiques. Ça fait du bien d'entendre. Ah, vous voyez ici le Big Daddy. Qu'est-ce qu'elle cache en fait, ces combinaisons? Comment ça? C'est pas juste un genre de machine? Et hop. Petit Big Daddy. On peut pas passer par là. Un peu de nerf, allons. Vous croyez que c'est simplement mon temps que vous me faites perdre à traîner comme ça? Ce genre de système, ça dépend toujours. Allez, c'est parti. Donc ici, on a les différents raptures. L'année de rapture. Bah, c'est un membre de la sécurité de Ryan. Je le sais de source sûre. C'est drôle. Quoi? Que vous n'ayez jamais vu de petite sœur. Depuis quand vous êtes à Rapture? Disons juste que je ne sors pas beaucoup. Vous n'êtes pas aveugle, que je sache. Si j'avais envie de raconter ma vie, Monsieur DeWitt, j'écrirais mes mémoires. Avec tout ce que j'ai pu apprendre sur Rapture, j'aurais pourtant cru que ses habitants n'étaient pas du genre à se mêler des affaires des autres. Où est-ce qu'on va? L'homme que nous devons voir se trouve dans le jardin des. Comment vous savez? J'ai mes propres sources, Monsieur DeWitt. Si vous savez mieux que moi où se cache la fille que nous cherchons, faites-nous donc profiter de vos lumières. Le jardin des muses. Donc là, on peut voir que. Où est-ce qu'on va? Quand avez-vous vu Sally pour la dernière fois? Vous avez vu sur sa main, on a juste un tatouage. Elle a été enlevée. Au Baccarat. Vous étiez en train de jouer quand. Elle a disparu. Et? Un ami flic, Sullivan. Il m'a dit qu'ils ont retrouvé son cadavre dans l'eau. Et vous l'avez vu? Écoutez. Est-ce que vous avez vu le corps? Ce monde aime les enfants. Ouais. Pas l'enfance. S'il y a un profit à faire, des hommes le feront. La tour d'Andrew Ryan. Je vous emmène voir l'un d'entre eux. Monsieur DeWitt, tout va bien? Ça va. J'ai des malaises parfois, ça va passer. Un verre, monsieur? Madame? Ça va, merci. Oui, c'est vrai que. Voilà, il y a des toniques. J'ai vu les bases avec lui. Il est pas mal, mais ses italiens. Papa par-ci, papa par-là. Sans l'accord du pape, il irait même pas aux toilettes. Enfin, j'imagine. Je lui ai dit, tu veux quelqu'un pour écouter tes malheurs? Prends un chiot. C'est différent, TPI. Monsieur DeWitt. Donc si vous vous souvenez, nous voici monsieur... Dans ce club. Cohen, c'est quoi le rapport entre ce cinglé et Sally? Qui oui, un vrai taré. Soirée privée. Pas d'entrée sans invitation. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Donc on n'est pas marqué au fer rouge. Vous venez au nom de quelle société? Une société. Oui, laquelle? DeWitt Investigation. Monsieur Cohen ne connaît pas de détective privé. Seuls des artistes et des partenaires ont reçu des masques invitations. Je viens pour les artistes en lutte. On nous on attend. On n'entre pas sans masque. Sale coincé. Ces masques invitations dont ils parlent, c'est Fitzpatrick. Ils ont dû les donner à des artisans. Bon. On n'a plus qu'à convaincre quelqu'un de nous prêter le sien. C'est le commerce qui fait tourner Rapture.
C'est parrainé par les artistes en lutte, la règle d'or et les disques Rapture. On ferait donc aussi bien de commencer par ces magasins-là. Et voilà, du coup, il semblerait que 3 boutiques aient reçu une invitation. Appuyez sur O pour accéder à l'écran des objectifs et sélectionnez votre objectif en cours. Donc, voilà, soit on fouille la règle d'or, les disques de Rapture ou les artistes en lutte. Faire dans l'ordre. Qu'est-ce qui vous amène ? Un homme. Vraiment ? Vous me faites pas l'effet d'une romantique. Ce n'était pas ce genre d'homme. Alors quoi ? Une histoire de dette à payer. Je m'y connais en usurier. C'est pas votre genre. Ce n'était pas ce genre de dette. Les invitations aux soirées de Cohen sont très recherchées. Personne ne nous en donnera une sans rien. Vous vous sentez capable de distraire le propriétaire pendant que je jette un œil ? Trouvez donc ce masque. Je m'occupe de faire diversion. Bienvenue. Regardez, je vous en prie. Excusez-moi, la petite dame aurait quelques questions. Oui, bien sûr. J'aurais voulu voir celle-ci. Oh, très bon choix. Je vois que vous avez l'œil, mademoiselle. C'est une bague en or 18 carats, saphir et diamant naturel, fabriquée à Paris en 1887. Vraiment ? Le cabochon central... Excusez-moi. Cohen envoie ses masques dans une sorte de boîte. Une bague volée. Je vous demande pardon. Dans une tombe profanée des champs du crépuscule, vous pensiez qu'on ne verrait rien ? Je peux vous assurer que... Je ne porte aucun intérêt aux assurances d'un cigare de sombre. Ça doit être ailleurs. Si vous me rendez cette bague, je transforme cette histoire, ne t'écoute pas. Vous venez dans mon magasin pour m'accuser ? Je ne vous le permets pas. Allez, sortez passe. De la espèce de traînée ou vous allez le regretter. Ne sale me petite... touchez pas. Elle fait mal, Elisabeth. Je veux dire qu'on ne soit pas là à son réveil. Alors ? Rien. Tentons un autre magasin. Donc, nous allons devoir fouiller les disques de Rapture. Ils sont par ici. Rapture Records. C'était le même. Oui. La symétrie faciale. Souvenez-vous, Steinman. Le fameux Steinman. Il va défigurer tout le monde. Vous voyez cette jolie fille, là ? Si vous la traitez comme une princesse, on y gagnera tous les deux. Bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute ? Charles traînait, mais bien entendu, repris... Je dois trouver cette boîte. Oh, c'est charmant. Ne me laisse pas de marre. Surtout les chansons de ce genre. Oui. C'est presque animal, n'est-ce pas ? Rien. Cette partie de nous. Bon, bah, il reste qu'un magasin. Toute logique. Qui n'est faite que de sens. Je dois partir. Je dois partir. Une note de plus et je perdrai toute mesure. Du coup, dernier essai. Rien ? Non. Mais il reste un magasin. Et si nous en sortons, bredouille ? On avisera le moment venu. Ryan comprend un aspect fou. Ici. Buongiorno, signore ! Les Italiens. Quand elle marche. Les hommes de Ryan ont abattu Fontaine pour une raison, et une raison seulement. Il a construit un meilleur piège. Oh, mais bon sang. Oui, donc c'est vrai, Frank Fontaine était tué par Ryan. Manque de bol pour eux, c'est pas vrai. C'est notre cher Atlas et Frank Fontaine. Bon, allez. Hé, hey, l'ami, vous voudriez bien aider la petite dame ? Oui, bien sûr. Ça va pas le bouc pour toi, monsieur. Fascinant, n'est-ce pas ? C'est une œuvre de Sander Cohen. Il l'a intitulé Miasme. Je suis désolée. Où est-ce qu'il cache cette boîte ? Pas vraiment là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Allez ! Alors te voilà, espèce de saloperie. Hop ! Bon, on va devoir retourner voir Cohen. C'est vrai, vous pourriez. Oui, j'aimerais. Vous m'avez beaucoup donné à réfléchir. J'en ai la tête qui tourne. Vous accepteriez de m'en apprendre plus si je reviens demain ? Je serai là pour vous servir. Alors à demain. C'est moche. Allez, allons.
Bien. Encore notre Sander Vous Cohen. Avez trouvé le masque. Du troisième coup. Parfait. Nous pouvons retourner chez Cohen. Par ici. Comment je vais trouver du travail ? Joli boulot avec ces marchands. Vous avez tout de la parfaite arnaqueuse. Je vous laisse remercier mon père. Ah ouais ? C'était un homme qui savait enfiler bien des costumes. Oui, puisqu'il est désincarné et des 8. Hop, entrons dans le club. Ah, très bien. Monsieur Cohen attend votre participation à son spectacle. Monsieur Fitzpatrick. Mais qui c'est cet homme, c'est ce Cohen? C'est de toute beauté. Une figure de la pègre locale? Pire, c'est un artiste. Un artiste qui enlève des enfants. La muse de Cohen est une vraie girouette. Je connais son genre. Dès qu'il a une idée en tête, ça sert à rien de parler. Rien ne pourra l'arrêter. Donc on passe de noir à blanc. Voilà. Un peu de joker. Hein. Dansez, dansez, bougez. Il aime beaucoup les lapins quand même. Comment les gens ici dansent? Cohen. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend d'échouer? Vous voulez me faire honte devant ma muse? On ne se moque pas de ma muse. Fitzpatrick, le Sander, je vous en prie. On ne se moque pas de ma muse. Sortez-les d'ici. Je n'accepte aucun échec sur ma toile. Voilà. Il n'y a plus aucune place à rapture. Qui est déjà taré, hein. Pour les artistes. Regardez, c'est quoi cette toile, hein. C'est moche. Salut, Cohen. Qui êtes-vous? Je suis DeWitt. Oh, ah, vraiment. Eh. Ça, c'est vraiment charmant. N'est-ce pas qu'il est charmant, mesdames? J'ai quelques questions à vous poser. Des questions? Oui, oui. L'homme cherche sans cesse à tout savoir. L'artiste, lui, cherche sans cesse à répondre. Vous avez vu cette fille, n'est-ce pas? Les artistes voient tant de choses. Trop tard. Vous cachez bien votre jeu, mon petit moineau. Je me trompe? Attention, DeWitt, elle vous entraînera contre votre gré. Mais je sais que l'enfant sur cette photo compte beaucoup à vos yeux. Tellement d'enfants qui disparaissent à jamais. Je sais où est la fille. Et je vous enverrai à elle. En échange, tout ce que je veux. C'est une danse. Quoi ? Une danse. Je vois quelque chose chez vous. L'art efface les apparences. Montrez-moi qui vous êtes. En retour, je vous montrerai où aller. Écoutez, Cohen, espèce de salopard. Monsieur DeWitt. Quoi ? Dansez avec moi. Et donc là, vous pouvez voir que c'est l'Elisabeth avec le doigt coupé. Donc notre Elisabeth. Je n'ose pas imaginer quel autre prix il pourrait nous faire payer. Fitzpatrick! La beauté et la douleur, elles sont aussi proches que la naissance et le sang. À votre avis, que font les clients de Cohen aux enfants? Est-ce qu'ils... Des fois. Mais ces gens n'ont pas le capital de personne comme Ariane et Souchong. Et c'est tant mieux. Vous avez vu ces petites sœurs? Vous êtes sûr? Mais si Souchong tenait Sally, je le saurais. Comment? Parce que je l'ai ligoté pour le lui demander. Et? Pendant 15 heures. Je ne sais pas quoi penser de vous, monsieur DeWitt. Non, non,
non ! On va pas faire ça pendant... Fitzpatrick ! Je vois de la souffrance. Je sais comment la mettre en avant. Vous allez sortir de votre cocon. Et nous sommes envoyés à la station Fontaine. Monsieur DeWitt. Et elle appelle Monsieur DeWitt. Ça va. D'habitude, elle appelle beaucoup. Vous rêviez, vous répétiez le nom de votre enfant, Sally. C'est pas mon enfant. J'ai cru. Douleur et beauté. Pour un artiste, elle vous repère. Cohen ? Je vous envoie chercher votre petite. Je peux voir qu'il n'y a pas les... Pas ce faire. Ne me remerciez pas. C'est un peu taré. Ce que vous trouverez c'est joli. Ne plaira pas. On va dans les fins fonds de Rapture. Hein, les crabes. Avec la musique. Regardez. Fontaine. Fontaines. Ryan a fait couler tout le magasin. Mais c'est devenu une prison. Pourquoi Cohen y enverrait Sally? J'en sais rien. Tout le monde a des besoins. Je ne fais que proposer un service à ceux qui peuvent se le permettre. Votre petite vous attend aux articles ménagers. Combien de gens Ryan a fait enfermer là-dedans, à votre avis? Beaucoup. Fontaine avait quasiment levé une armée. Et ils sont là, modifiés et fous. Tu m'étonnes. Très bien, il y a un quai devant. Il faut vraiment être un salaud pour faire ça à un être humain. Faire quoi? Un tombeau sous-marin. Vous avez lu le contrat qui vous lie à Ryan Industries? À perpétuité. C'est notre tombeau à tous. Tombeau sous-marin. Restez vigilante. Surtout, ouvrez bien l'œil. Il y a du matériel par là, Monsieur DeWitt. C'est Booker. Pardon ? Appelez-moi Booker. Si ça ne vous dérange pas, je préfère garder Monsieur DeWitt. Alors, niveau pouvoir, on a juste le baiser du diable et la possession. Ce qui n'est pas plus mal. Ou bien évidemment on va pas avoir tous les pouvoirs que nous avions. Le kinétoscope, donc même invention que à Colombert. Un film d'auteur. Alors. Clic gauche pour tirer votre arme, approcher un plasmide. Oui. S'il dit ça, c'est que déjà. Il y a un truc. Je n'ai pas encore d'arme pour un corps. On veut que. Levez la tête. Continuons à explorer. Nous trouverons peut-être quelque chose qui nous aidera à traverser. Oui, je l'ai vu. Donc ici, les... Ça peut servir. Capteurs. Un grappe-ciel. Grappe-ciel. Ouais, grappe-ciel. Parler du capteur. Les gamins s'en servent pour glisser sur l'aérotube. Le capteur. Des constantes et des variables. Des constantes et quoi? Oubliez. Voilà, donc si c'est pas le gratte-ciel, c'est le capteur. Et ce n'est pas l'aérotram, c'est l'aérotube. Oh, le capteur.
terre est coincée. Monsieur DeWitt, quelqu'un approche. Ah, le glacial. Me faites pas perdre mon boulot. C'est bon, j'ai débloqué le capteur. C'est bon, vous prenez. Paf. Monsieur DeWitt, là. Les articles ménagers. Ménagers. Cohen a dit qu'on y trouverait Sally. Les bâtiments étaient reliés par un tram. Voilà, il faut qu'on arrive à s'en servir. À condition qu'il marche. Positivé, monsieur DeWitt. Ça aide dans ce genre de situation. Tac, il n'y a pas d'arme ici. On va prendre l'argent. Et du coup, c'est parti. Bon, j'aurais pu les tuer au corps à corps. Depuis quand êtes-vous à Rapture ? Oh, ça fait... depuis quelque chose comme 51 ? Non, 48. Ce n'est pas la même chose. Le temps... toute ma vie d'avant... c'est comme si tout se mélangeait. 49. 49, j'en suis sûr. C'est une idée. Vous êtes pas l'eau, monsieur DeWitt. Essayez juste de repérer les chromosomes. Ce sont surtout eux qu'on devrait craindre. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est bon pour vous, vous savez. Je ne connais pas d'oiseaux qui n'aiment pas les graines. Et qu'est-ce qui vous arrive ? On vous a empoisonné ? Par là-bas ! Vous les voyez ? Hop. Ah, petit bug graphique. Alors. Monsieur DeWitt, là. Bon, voilà le tram. Ce chromosome s'est bien gelé un chemin tout à l'heure. Je suis sûr qu'il voudra bien recommencer pour nous. Je vous fais confiance pour l'en persuader. Évidemment, mon cher. Alors, on va plutôt aller de l'autre côté, dans le prêt-à-porter. Ah oui, il est financé la farandole des pays. Monsieur DeWitt, regardez. Et c'est vrai que c'est le distributeur. Ah, c'est vrai. Ça te donne envie de. Oh, le son. Dios mio! Oui, je sais, bien. Donc là, ici, bien sûr, c'est plus des cristaux, ce sont de l'Ève, puisque ici, nous avons de l'Ève et de là-dedans. Mais, moi, je vais fouiller ça. Le même bruit de baleine que dans... notre tuyau cassé. Le magasin a coulé plus bas que ce qu'il ne peut supporter. La pression. Le baleine de la planète aux potions. La planète au trésor, la bataille de potions. Hop, rupture en ice. Rupture en ice. Une patine. C'est bien le genre d'endroit où trouver notre nouvelle amie. C'est au dernier étage. Alors on monte. Est-ce que c'est tu fermé. Peux me projeter ? La technique n'a pas fait de progrès. Je peux l'ouvrir avec un crochet. Voilà. D'où ça vous vient, ça ? Oh, j'ai appris à faire ça il y a bien longtemps. Oh, notre ami glacé laisse de sacrées traces. Hop, on peut les louper avec ça ? Ah non. Mais voici nos petits chromosomes. Paf. Là, il me faut un crochet.
elle déjà m'a donné ça. On va faire des sauts. On va passer par là, voir s'il n'y a pas un crochet. Donc oui, les tourelles. Et voilà mon premier équipement. Tu as un ennemi avec un plastique, vous pouvez récupérer un peu d'aide. Si je fais la comparaison, j'ai juste un pantalon simple. Du coup, on va l'équiper. S'il te plaît. Et du coup, j'ai chopé mon crochet. Ça, ça t'intéresse pour être. Oh, attends. Je peux changer mon cœur. Je te demande juste une chance. Tu peux y voir. Ryan, sale chien, tu me laisses moisir ici. D'accord, j'ai signé le contrat pour faire du magasin de Fontaine une prison. En 10 jours, tout dans l'urgence. Juste à temps pour l'arrivée des prisonniers. Et puis une de tes saloperies de tourelle et bam! Les deux rotules en morceaux. Je me retrouve estropié, coincé dans une prison. Entouré de fous furieux. J'ai même pas été payé, mais je m'en fous. Je veux juste qu'on me sorte de là. Et voilà. Et ben t'es mouru, mon. Ça, par contre. Là, ici, on va utiliser les faillites. Première infusion, on va commencer par le bouclier. Pile ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que vous avez vu? Je me souviens d'un temps où les discours de Ryan étaient vraiment électrisants. Il était question de parasites par-ci, d'exaltation de l'homme par-là. Alors, oui. C'était parfois un peu barbant, mais ce vieil ours avait quand même une élocution parfaite. Donc là, je suis volé, et j'ai plus assez d'adam. Hop. Merci. Il n'y a pas de cristaux. Le cher Provo, mais... Hop, un deuxième crochet. Derrière le comptoir. Et ici il y a quelque chose, je crois. C'est une queue, pas du tout, de lèvres, donne des sous. C'est bien, je vais pouvoir acheter ma première amélioration. Bon, ça par contre j'avais pas vu. Bien dit à Sander. Vous pouvez pas me laisser, j'ai tout donné. Superbe. Mais je t'ai pas vu. Prends plus cher. C'est vrai que les améliorations elles sont là-bas.
où qu'on va aller. Levez la tête. Oui, ben je le sais, c'est bon. Je vais regarder si voilà. Là. C'est parfait. Oh. Alors, les dégâts de vos armes augmentent quand vous utilisez la lunette et que vous enchaînez les victimes. Tac. Là, c'est juste une tourelle. Donc la tourelle va me protéger. Première pièce. Le Hérald a dit un cadavre de baleine s'est échoué sur la scène du théâtre Schubert. Et l'odeur de putréfaction ne fait que s'accentuer un peu plus chaque soir. À en croire la tribune, mon premier opéra était capable de transformer tous les classiques de Mozart en miaulements inaudibles. L'histoire est arrivée. C'est comme s'ils étaient fous. La première injection fait rêver. Et puis c'est la spirale. Les glaciaux, les foudroyeurs qui vous envoient des décharges électriques dès qu'ils croisent votre regard. Vous semblez compatir. Ce seraient pas les premiers pauvres types à trouver les réponses à leurs questions au fond d'une bouteille. Mais quand vous les voyez se mettre à trembler devant une petite sœur et tout son matant... Oh. Oui. Ils sont tout de suite beaucoup moins touchants. Ouais, c'est des gentils. Pas beaucoup d'armes. Oui, faut que je regarde mon équipement, moi, au fait. Donc c'était quoi que j'ai changé? Alors, les dégâts à vos armes, vous apportez la moitié par 3, les dégâts par 2, mais consomme 20% de votre bouclier. Ah bah non. Un court-circuit. On devrait sûrement pouvoir l'ouvrir avec... Un coup d'électro-quartz. Vous connaissez l'électro-quartz? Plus que vous ne croyez. Fouillons un peu. Peut-être que les Crozos m'ont épargné une de ces boutiques. L'électro-quartz. L'électro-quartz. Ah, okay. Alors... Le soda pour me donner...
fait. Allons au magasin de chaussures. Hop, j'ai plus qu'une balle. Allez, balle ici dans ce DLC, ça pardonne pas. Hein. Là, c'est fermé. Donne-moi des sous, comme ça je vais pouvoir améliorer mes items après. Je crois que. Ouais, donne-moi des munitions. Du coup, pour aller ici. Ah oui, il faut un code. Qu'est-ce qui est marqué? I was. Quand j'ai joué ma première pièce. Attends, on va faire ça. Quand je jouais ma permanence abandonnée, Hop, prison et boom. Donc ça c'est les différents, différentes améliorations. Le Hérald a dit, un cadavre de baleine s'est échoué sur la scène du théâtre Schubert. Et l'odeur de putréfaction ne fait que s'accentuer un peu plus chaque soir. À en croire la tribune, mon premier opéra était capable de transformer tous les classiques de Mozart en miaulements inaudibles. Et aujourd'hui, les critiques me reprochent de faire dans l'humanitaire. Si je n'étais pas là pour trouver un toit à ces orphelines, est-ce que ces râleurs s'en chargeraient? Un artiste a dit un jour qu'il faudrait assassiner tous les critiques. C'est moi ou c'est... Je me demande si je ne vais pas suivre son conseil. C'est le doubleur qui fait la voix de... Cabriolet dans Spy Fox. Alors, hop, c'est fermé. Trois crochets. Elisabeth. Ça a l'air assez facile. C'est prêt. Merci. Alors, accrocher un anneau. Oh, les sous, c'est bien. J'arrête pas d'envoyer des journaux audio par les tubes pneumatiques, comme des messages dans une bouteille. J'espère que l'un d'eux finira par passer. Et que quelqu'un viendra me sauver. Si vous entendez ce message, envoyez de l'aide. Je suis coincé dans la réserve à chaussures. Le code, c'est le 0928. 0928. Intéressant. Hop, par contre, on va prendre le basi comme ça me recharge la tête. Pas vu elle. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure. Ouais, là, je vais essayer. Donc il faudrait que je retourne au magasin de chaussures. C'est le client au bout du fil. Au bout du fil. Laisse-moi. Arrêtez. Vous m'entendez? Une légende. Hop. Donc retournons au magasin de chaussures. Donc, qui... Code, c'est sur O, C,
c'est... Ah non, c'est un message en bouteille. Ah non, c'est... 0928. Alors, le temps de recharge vous a diminué de 30%. Ah, Ah non, plutôt le temps de recharge. Hop, bah moi il est mort. Nous le voyons ici. Cette ville a pas de cœur, faut que je m'y fasse. Tous les journaux audio où je demandais de l'aide me sont revenus, sans même avoir été lu. Avec la mention retour à l'envoyeur. Affranchissement insuffisant. Ah, c'est vraiment bête pour lui. La sincérité. C'est ça qui me manque. Mais on y a vraiment pas. Hop. Je lève. Ici. Merci. Pas mal, hein, vache. Et sauvegarde de profil si vous pouvez éviter de vous lancer. Le rayon des plasmides a l'air d'être par là. Je suis sûr qu'on y trouvera notre bonheur. Attends, tout on va y aller après. On va déjà acheter une mission. Et l'amélioration de plasmides. Alors, permet de créer des chaînes d'électricité contre les ennemis, les attaques manquées, récoltes dans les élections de cibles, peut les toucher. Je vais acheter des munitions. Bienvenue à la farandole des prix. Et de la vie. Hop. Surtout ça. Alors avant, je vais aller au fond de plasmide. L'électroquartz. C'est fermé. Elisabeth. Oh, ça ne prendra pas de temps. Et voilà. Mitch disait, il faut...
faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir... Hop. Ils ont déjà vu tous les plasmides ici. Hein. Du coup, c'est les plasmides d'électroquartz. Du coup, moi je l'ai vu, les plasmides d'électroquartz. Fermé. Elisabeth, ça je peux le faire. Super. Hop. Alors, on va prendre une action. Je te laisserai pas jouer au plus malin avec moi cette fois, Ryan. T'as vendu le plasmide hiver d'antan en racontant partout qu'il produisait de la glace, sans préciser qu'il s'agissait de glace carbonique. La sculpture en glace qu'on avait commandée pour le gala de cette année au Cachemire est toujours là où on l'a laissée il y a un mois. Et elle pèse plus d'une tonne. Et qui est-ce qui doit continuer à payer la location de la salle? Sûrement pas toi, salopard. Et hop, du coup, nouveau plasmide. L'électroquartz. Qui n'aura pure, bien évidemment, un monde sous la flotte. Pourquoi Ryan a-t-il enfermé les hommes de Fontaine dans un grand magasin? Il lui fallait bien un endroit où les boucler. Pourquoi ne pas faire taire la compétition du même coup? Je croyais qu'Andrew Ryan était fasciné par le libre marché et la compétition ouverte. Toutes ces belles idées perdent de leur attrait quand les chiffres du trimestre arrivent et que la concurrence vous double. Quoi qu'il en soit, Fontaine est mort. Regardez qui c'est qui arrive. Vous savez comment... Oh. On peut l'améliorer après. On peut améliorer les armes de mémoire. Il fait vraiment froid. J'ai bien l'impression que ce froid ne vient pas seulement de la patinoire. Là, du coup, maintenant, avec l'électroquartz, on Elisabeth. Peut ouvrir les portes. C'est tout petit. Alors, chose d'obtenir un bouclier hivernal et d'affiler plus de dégâts pendant 5 secondes lorsque vous êtes accroché à l'aérotube ou à des points d'accroche. Allez, vas-y. Hein. Voilà. Oula. Du coup là, normalement, il nous dirait qu'il faut faire demi-tour pour... Une autre des meilleures armes. Du coup là ce qui est bien c'est qu'on peut avoir toutes les armes comme dans Rapture. Comme dans Bioshock 1. Bioshock Infinite c'était juste deux armes je crois et c'était tout. Et là maintenant on peut avoir notre fameuse carabine.
toujours quand j'arrive. Non, c'est fait. Et c'est une mitrailleuse. Mitrailleuse. J'espère Elisabeth que nous revivons. Ouais, hein. Juste. Nous avons la bouteille. Il y a une serrure. Je vais voir Monsieur DeWitt. Le plasmide. Oui. Vous avez oublié ce qu'on fait ici. C'est bien moi, Cassie, c'est bien nul. Hop. Mais ben non, ils sont vides. Ce salopard s'est bu toutes les bouteilles d'hiver d'antan sans rien laisser. Je peux vous aider. Du coup, mais c'est une autre. C'était quoi? Elisabeth qui ouvre une faille. C'est un nouveau plasmide. Je peux faire apparaître des choses qui existent, mais pas vraiment. Je suis pas sûr de comprendre. Ça s'appelle comment? Faille. D'où vous le sortez? Vous ne voudriez quand même pas connaître tous mes secrets, Monsieur DeWitt. Voilà, l'air d'antan. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Voilà, il vient d'en. Du coup, on va pouvoir retourner aux deux tuyaux éclatés. Belle chanson. Oh, c'est très personnel. Un peu comme des lettres d'amour. Elles viennent droit du cœur. Pour tous les fans qui me sont restés fidèles. Et hop, ils sont venus en fait, on peut les one-shot. Montrez-vous à la hauteur! Fais voir, trouvez d'autres. C'est DeWitt, attrapez. Donne-moi des sous. C'est très mal. Je sais que le client est roi, mais j'irai pas plus loin tant que vous me donnerez pas quelques réponses. Mon objectif ne vous regarde pas. Considérez-moi comme un instrument. Alors pourquoi j'ai l'impression de me faire avoir? Je vous l'ai dit, je suis dans le recouvrement. Mes clients m'ont demandé de régler une histoire d'arriéré. Ça n'a aucun sens, c'est tout. Si notre accord ne vous pas, reprenez donc la bathysphère. Et là, du coup, elle peut... Elisabeth! C'est fait! Venez ici. Parlez. Littéralement, utiliser toutes mes munitions pour les tuer. Parce que normalement, en fait, pour ouvrir la porte, il fallait utiliser ça. Là, celle-là. Et voilà. C'est moi. Du coup. Ah mais du coup, si je fais possession sur eux. Ah oui, ça donne des coins. Donc là, vu que je reste plus de 5 secondes, normalement j'ai mon bouclier. Je peux aller là. On ouvre la porte. C'est pas ici ou quoi?
Bonjour. Ah bah c'était justement pour les... Oula. Les cendres... Ok. Je t'en prie. À vos ordres. Merci. Par contre, le prêt-à-porter du coup... Je m'en occupe. J'améliore le bouclier, je pense. Allez. Ok. Donnez-moi de la vie. Elisabeth. Très bien. Ah, voilà. Accélérateur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... On peut acheter cet objet, je crois, après. Déjà mieux. Tu as cru que cette histoire de sculpture en glace allait s'arrêter là, pas vrai, Ryan? Mais tu n'es pas cible, loin de là. Tu as la farandole des prix pour vendre des produits, des systèmes de sécurité pour protéger ta propriété. Tu crois qu'ils t'appartiennent? Mais tu te trompes. J'apprends petit à petit à retourner tes créations contre toi. Et je te promets une chose. Les balles de mitrailleuse ne rebondiront pas sur toi. Alors, il... Il m'a fait peur. Là, du coup, je peux pas repère spawn des carabines. Vous devez éclipser le reste. Normalement, c'est bon. Alors, farandole des prix. Bienvenue à la farandole des prix. Je prends le duel. Mais du coup j'ai pas assez d'Eve. Celle-là, maintenant. Voilà. Il y a encore de l'Eve. Ah ouais. Merci. Si Sally n'est pas votre enfant, qui est-elle? Pourquoi t'en risquer? Ça fait partie du travail. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est juste une orpheline. Après la mort de Fontaine, la ville en était envahie. Et? Je sais pas. Vous pouvez expliquer tout ce que vous avez fait de stupide, vous? Alors, vous gagnez un peu de santé en tuant un au corps à corps. Vous gagnez beaucoup de santé, je suis... Ah bah oui, je vais comprendre ça. Passez me rendre visite. L'air paumé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû me douter qu'elle partirait plus. Comment l'avez-vous perdue? Mêlez-vous de vos affaires. Des sous, comme ça vous pouvez acheter. La bâtisphère, elle est là. Accrocher, c'est parfait. Pousse-toi. C'est bien. Allons au magasin. On voit un peu plus le système de bâtisseur, c'est qui coûte. Il y a quelque chose chez vous qui va pas.
Je vous vois mal venir à Rapture. Vous êtes pas trop du genre. Si vous voulez dire que je ne suis pas du genre à rejoindre le petit club de Ryan, c'est vrai. Ce n'est qu'une autre bande de fanatiques adeptes d'un autre livre. C'était au jeu. Pardon ? C'est comme ça que j'ai perdu Sally. Au jeu. J'aurais jamais dû l'emmener là où je l'ai emmené. Mais je gagnais. Dans un endroit pareil. Faut garder un œil sur son enfant. Et pourtant... Ouais, et nous voilà. Mais la question essentielle, c'est... Qui est-elle pour vous ? Disons que j'ai tout intérêt à vous réunir. Est-ce que ça ne vous suffit pas ? Ça me rappelle quelque chose. J'espère que Cohen disait vrai, et que c'est bien là que nous allons trouver Sally. J'ose à peine imaginer ce que doit vivre une enfant dans un endroit pareil. Cohen est bien modifié. Il a dû se dire qu'une enfant en prison, ce serait une forme d'art. Nous devons la trouver au plus vite. Un gros taré, quoi. Sally, rentre-toi ! Donc voilà notre chère Sally. Sally ! Sally, sors ! Je ne la vois pas. Une bouche d'aération. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un schéma du système d'aération. Il y a d'autres manches à air comme celle-ci. À l'électronique, au bistrot, aux reprises, à la librairie et aux appareils ménagers. Et... Si elle est là, elle ne peut sortir que par 6 manches à air. Par 5 manches à air. Toutes ces manches à air sont reliées au chauffage central. En les fermant et en augmentant la chaleur, elle sera obligée de sortir par l'échappement central. Il n'y a pas d'autre issue. Vous voulez la faire brûler ? Non, je veux juste qu'elle ait trop chaud pour rester dedans. Non, impossible. Écoutez, soit on la trouve, soit on la laisse au chrosome. Très bien. Où sont ces manches à air ? Droit devant. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est verrouillé. Ça me semble assez simple. Ouvre-moi, s'il te plaît. Et voilà. Allez, petite. Bienvenue à la farandole des prix. Quoi ? Tu veux pas décevoir ton vieux tonton, non ? Oh, il est en fait au fusil à pompe. Là, une manche à air. Oui, il est là. Là, pour le moment, je peux pas... Là, si les amis sont dans l'eau, je ne peux pas aller. Attends une minute. Et de deux. Ensuite... L'électricité, elle est là-bas. Comment on fait pour péter l'électricité ? Il y a des gamins qui crament, c'est pas... Oui, mais il commence à me sortir des mots en japonais. C'est du
Hop, des dégâts en plus. Hop, au moins c'est que j'ai évité de... Allez. Là, celle-là. Je m'en occupe. Ça m'arrive, vas-y. Compris. Hop, ferme une autre, mon cher. On y est presque. Je t'en prie. Voilà. Ah oui, c'est si je veux repasser. Vous entendez ? Sally ! Encore une autre, mon cher. Sally, c'est moi, Booker ! Allez, montre-toi un peu. Sally, chérie, tu m'entends ? C'est moi ! Bienvenue à la farandole des prix ! Écoute-moi, chérie, sors de là tout de suite ! Monsieur Dewitt, elle ne viendra pas. Refermons les autres manches à air. Il n'y a que ça à faire. Hop, pendant que tu vas me crocheter ça, je peux faire la fête ici. Ok, on continue. Allez. Tu peux me crocheter ça. Restez sûr. Fermez le A, R. Du coup, il ne restera plus que la manche du bistrot. On regarde. Allez, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. C'est fait. Je peux regagner son amour. C'est juste une question de volonté. Je te lève, attrapé. Merci. Après j'aurais pu. Les tuer en mettant deux lasso. C'est fait. On met toutes les carabines. Gars, tu vois ce que je vois? Je vois, Betty, mais je te rassure, tout ça est parfaitement normal. Tu es sûr? Betty, nous sommes à Rapture, un lieu qui fourmille de révolutions scientifiques et de merveilles. Il faut bien t'habituer à voir parfois des choses étranges. Je suppose que nous vivons dans le futur. Allez, à vos ordres. Hop, ça. Fermé de l'autre côté. Comment est-ce qu'on va? Là. Je crois que je peux passer. Peux-tu passer, s'il venez m'aider. Allez, Elisabeth, vas-y. Hop. Jolie chaussure. J'ai nettoyé sa salle de bain et elle s'en... J'ai entendu notre rat. Détalé par... Elle est forcément... Pourquoi est-ce que c'est si long? C'est juste ça. Allez! Mais oui, j'essaie. Laissez-moi une seconde. Je crois que tu veux me tuer. Bien, vous ne m'avez pas l'air plus mal. Merci. Parlez pour vous. On est sous sous.
Je vais fermer toutes les manches à air. Donc fermons toutes les manches à air. Ça hit le sol. Hop. Je vais garder les munitions. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Lorsque l'objet se brise, les dégâts infligés, votre vitesse de déplacement augmente de 5 secondes et les munitions sont rechargées. Oh bah carrément, c'est ça qu'il me fallait le plus bien. Ah, monsieur Chouchoum. Étude du phénomène inconnu numéro 22. Quelle est la source de ce phénomène? Souchong a recruté des observateurs pour qu'ils trouvent d'autres phénomènes. Oui, parce que Souchong, il parle de la troisième personne. Une jeune femme aurait surgi de là de ces phénomènes pour disparaître aussitôt. L'observateur n'avait rien de plus à dire sur le sujet. Si Souchong parvient à retrouver cette femme, elle fera un nouveau phénomène parfait à étudier. Donc, on comprend que Souchong voudrait trouver Elisabeth. Allez, venez, je sais que vous êtes là-haut, mon blaze. Alors, le bistrot. Là, celle-là. Compris. Je peux sauter dessus ou pas? Non, il faut faire le tour. C'est vrai que j'ai pas été là-bas, moi. Je croule pas sous l'argent comme on croirait. Attrapez ! Merci. De quoi est-ce qu'ils peuvent bien avoir aussi peur ? Chose bien pire qu'eux. Quelle chose, au juste ? Vous le saurez en la voyant. Laissez-moi voir ça. Tu peux ouvrir ça, Elisabeth. Franchement, vous n'avez rien de plus difficile. Super. Le repas, la musique, même tes parents se tiennent bien. Vraiment? T'es sérieux? Oh, j'ai fait tellement d'efforts pour me tirer. Je ne sais pas si elle était dangereuse. Alors, vos balles sont professionnels des dégâts de feu électrique ou. Oui, putain, ou juste folle. La prochaine fois, je demanderai. Rien ne vaut la relation qui unit une mère. Pourquoi Franklin ne peut pas lire tranquillement dans un coin comme moi à son âge? Il ne fait pas attention. Il se fiche de savoir ce que ça nous ferait s'il lui arrivait malheur. Docteur Vertem m'a prescrit un plasmide. Un petit coup de pouce pour maman, pour que je reste vigilante. J'ai quelques scrupules, mais... Une seconde d'inattention et ce garçon pourrait se tuer. Oh, normalement, ça va me redonner de la vie. Ah,
Oui. Oh. Des dégâts électriques. Colon bistro. Carrément mieux. Ah oui, c'est un fourneau radar. J'ai jamais compris si ce truc était censé cuire une dinde ou un chrosome. La porte est fermée par un code. Nous n'entrerons jamais si nous ne découvrons pas lequel. Tout ce que je pensais, c'était... À quelle goutte de salive contient des millions de bactéries? Est-ce qu'il s'est... C'est les dents. Et s'il avait touché une poignée de porte avant de mettre les doigts sur ses lèvres? J'ai attendu des semaines ce baiser, et j'ai tout gâché. Alors, est-ce que j'ai le code? Ça m'étonnerait, mais bon. Non, tranquille, mon sang de garçon. Non. Bon, du coup, on va fermer. Oh. Oui, j'aurais pu débloquer le fourneau radar. Il doit en rester une. Faut juste un nouvel agent. Connaissez quelqu'un? Elle m'a dit d'arrêter. Hop. C'est vrai que je pouvais prendre le fourneau radar. J'ai trouvé le code. Voilà, donc là c'est le fourneau radar. Le radar, le micro radar là, mais je le trouve. Qu'il est ah ben oui, il faut de l'Ève. Ça, je me souviens plus comment on passait, mais si il faut de l'Ève. Non, c'est pas toi qui me donne il faut un de d'Ève. Vous vous souvenez de cette porte à code au bistrot? Ah oui, voilà, j'ai trouvé le code. On pourrait y retourner maintenant que nous avons le code pour avoir ce fourneau radar. Yeah.
et il s'est mis à l'essayer sur tout ce qu'il croisait. Des pommes, des guimauves, des cuillères. Il s'est bien amusé, et puis il a croisé le Pékinois de ma femme. Allez comprendre pourquoi, c'est après moi que ma femme en a. Quand j'ai mis cette saleté d'engin sous clé. Si j'oublie, le code c'est le 3958. 3958. Et voilà. Compris. Hop. Des fois. C'est devenu un rapture parce que. Voilà. Le défaut, le fourneau radar one shot quasiment les prosomes. En fait, il les crame complètement. Du coup, j'ai pas utilisé mon Adam. Je vais le garder juste si jamais je croise d'autres chromosomes. Je vais juste geler l'eau parce que. Hop, du coup, c'est de la glace. Et je peux venir ici récupérer les munitions. Le nouveau. Ah, du coup, je lui fais des dégâts critiques. Et c'est. Vous voyez, hop. En fait, plus je le maintiens. C'est ça qui est cool. Plus je le maintiens, plus il. En fait, il crame de l'intérieur et puis. Il brûle. C'est cool. Ils explosent après. Paf, viens d'entendre. On va pouvoir aller au dernier sas. Et on aura fini ce dossier, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Delta, je suis rentré. Delta chérie. Là, je fais des dégâts de glace. Il faut de la vie. Hop. Génial. Alors lui c'est bon, 35, voilà le fourneau radar. J'ai vu, hop, il y a eu. On va garder cette arme là, et on va tout prendre les gros quartz, et il y a dans le temps. Je crois que normalement on est bon là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas là. Ah bah oui, elle est là, je l'ai pas vue. Allez, discutons. Étude du phénomène inconnu numéro 17. Le phénomène se présente sous la forme d'un scintillement étrange à travers lequel on peut observer... quoi ? Des hommes avec de drôles de chapeaux. Des femmes en grande robe, des bâtiments qui flottent
Ce phénomène est-il une fenêtre c'est vers... la dernière. On peut retourner au rayon des jouets. Que disait Einstein déjà ? Si le temps existe, c'est uniquement pour que tout ne survienne pas au même moment. On l'a fait. Hop, au magasin de jouets. Je t'en prie. À vos ordres. De soins. Le magasin de jouets, il est là-bas. Est-ce que j'ai pas des kits de soins en haut? Je crois que non, c'était juste le samouraï. Elisabeth. Très bien. Je me souvenais bien. Hop. Moi, je suis full vie. Allez, allons au magasin de jouets. C'est pas bon pour moi. Oula. Et hop, du coup, nous voilà arrivés très dans bien, le je vais jeter un œil magasin à l'échappement. De jouets. Elle n'est pas là. Je crois que nous allons devoir monter le thermostat pour tenter de la faire sortir. Il est par ici. Le thermostat est là. Augmentez là la chaleur. Je refuse de la brûler. C'est la seule manière de l'amener à nous. Si vous refusez, je le ferai. Vous n'avez qu'un mot à dire. Allez-y. Bon, pardon ? Allez-y, montez le thermostat. Et tu ne veux pas le faire. Vous entendez ? On doit retourner à l'échappement avant qu'elle ne nous file entre les doigts. Sally ! Sally, viens me voir ! Ça ne marche pas ! Je vous l'ai dit, elle arrive ! Votre plan ne marche pas, arrêtez ! Si j'arrête tout, ça ne pourra pas marcher ! Il faut que vous arrêtiez ! On lui fait du mal ! Du coup, c'est là qu'on voit. Voilà. Sally ! Sally ! Sally, c'est Booker ! C'est moi ! Sally, je suis venu pour te sortir de là ! Sally ! Sors de là ! Sally ! Tout de suite ! C'est devenu des petites sœurs. Non ! Et voilà. Monsieur P ! Bonjour, Monsieur P ! Aïe! C'est de la triche! Te lève! Ici! Monsieur P, tu me bloques!
Aïe. Attends deux secondes. Monsieur DeWitt, la fille. Sally. Et voilà la fin. Monsieur DeWitt, quête. Tout va bien, Sally. Qu'est-ce qu'elle est? Regarde. Regarde, c'est Sarah. Hein? Elle est venue te voir. On va rentrer. Est-ce que tu veux rentrer? Te débat pas. Je t'en prie. Je suis là. Je veux juste te réveiller. Je veux juste. Vous lui faites mal. C'est pas votre enfant. Elle est à moi. Laissez-la. Laissez-la. Elle est à moi. Et aussi Booker. Arrêtez. Arrêtez la machine. Arrêtez la machine! Arrêtez-la! Et voilà. Dans cet univers, ce n'est pas un doigt qu'elle a perdu, Elisabeth. Je me souviens de tout. Oh, pauvre enfant. Et nous ne sommes pas Booker de 8. Nous sommes... Elle n'était pas à vous. Nous sommes Comstock. Le prophète. Non, je ne l'étais pas. Non. Et malgré cela, vous m'avez prise, n'est-ce non, pas? C'est pas possible. Mais vous vous sentiez coupable. Non. Alors, vous êtes venu chercher notre aide. Vous vouliez un endroit où vous pourriez oublier. Où Anna n'aurait de toute façon jamais vu le jour. Comstock n'a jamais su assumer ses erreurs, tu n'es pas d'accord? Il n'acceptait jamais vraiment ses décisions. Toujours à chercher à s'approprier la vie des autres. Du coup, voilà, il a pris la vie, il a repris sa vie de Booker DeWitt, et Elisabeth est morte dans cet univers, dans l'univers, son univers à lui. Ma fille, je suis désolé. Et vous le saurez bientôt. Bonjour, Monsieur P. Elisabeth, voilà. Donc une Elisabeth beaucoup plus dark. Et voilà, la fin de la première partie du DLC. Bien sûr, il y aura une partie 2. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, on a fini le DLC. Du coup, en fait, on est dans un... Donc, pour explication, nous sommes dans l'univers de ce Booker-là, DeWitt. Nous sommes en fait Zachary Comstock, qui, au moment de récupérer Elisabeth, au lieu qu'elle se coupe un doigt, elle s'est coupée la tête, donc morte. Et pour oublier ses erreurs, il a demandé au Lutèce de l'envoyer dans le monde de Rapture, où il se ferait passer pour DeWitt. Sauf que Elisabeth a comme mission de tuer tous les Comstock, donc celui-ci également. Ce qui est fait maintenant. Et voilà, c'était la fin de Tombeau sous-marin, donc Bioshock épisode 1, Tombeau sous-marin. J'espère que ça vous a plu. Moi, bon, c'est des DLC courts, franchement, mais... c'est quand même... c'est des meilleurs. Prochain épisode, DLC numéro 2, ça sera sur... donc toujours Bioshock Infinite. Et on va faire cela au... je regarde le planning. Donc pour ceux qui regardent le stream, ce sera vendredi qui arrive. Et pour ceux de la VOD, ben, vous pourrez avoir la VOD... je pense deux ou trois jours, tout dépendra du planning. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Draken sur les Bassins de Studio. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Rejoignez le Discord si ça vous fait plaisir. Vous avez tous les liens en description. Également de vous abonner à la chaîne si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. C'était Draken. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cordialement. Bisous.